Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Donc, gagne déjà et Warul Tid. Warul, Ragal Mind Bégué, Dylan Bégué. Dylan Bégué, encore une fois, notre soutien à Idrissa Gueye qui a été malmené hier dans les réseaux sociaux par les supporters, par certains supporters du Paris Saint-Germain, parce que les vrais footeurs d'une double détail. Parce que vous le savez, c'est un sport de contact et Mbappé. Donc, même Sourouni Gueye, parce que donc il veut que le PSG gagne, donc il ne va pas blesser délibérément Kylian. Mbappé, donc Gana qui a attaqué Mbappé à sa rescousse et le Paris Saint-Germain a bien soutenu Idrissa Gana Gueye. Donc ça c'est très clair pour une semaine. Donc des injures racistes et des menaces. La bienvenue en 2022. Force à toi Gana, tu as tout notre soutien. Donc le logo Diomas wax mom tamit. Donc un grand frère Diomas qui est toujours là pour défendre ses pères. Donc tay Paris. Donc non Paris ça les jouer, ça sera face au Real Madrid à 20h. Donc tay Bayern lay am Salzburg, Liverpool, Inter Milan, justement Liverpool ça y mané 3 matchs ça a marqué. Donc il doit mettre fin à cette série de 17. Donc ça y mané gagne la Ligue des Champions, to lolu duñ ko nangou. Il flambe en championnat, ça y mané doit aussi briller en Ligue des Champions en marquant des buts. On attend le réveil du Lyon aujourd'hui face à l'Inter Milan à Anfield Road, ça c'est très clair. Donc Bruno Sarr pour un 10e match de C1. Donc Bruno Sarr aussi. Donc pour être un remplaçant, mais il ne sera pas titulaire. Ça c'est très clair. Donc Bruno Sarr ne fait pas partie des plans premiers de Julian Nagelsmann. Donc Sénégien est forfait contre les Juifs. Donc Sénégien est blessé et il ne va pas jouer face à donc l'Égypte. Donc le portier est touché au quadriceps et sera éloigné des pelouses pendant 4 semaines. Donc mon, il est forfait pour donc le match face à l'Égypte. Donc malheureusement, on n'aura pas donc Sénégien face à l'Égypte lors de la double confrontation. Donc ça c'est très clair. Maintenant, on a une nouvelle pour nous. Donc FIFA a besoin de fenêtre de transfert pour nous parce que mercato hivernal bi jehna. Donc fenêtre de transfert pour les joueurs évoluant en Ukraine et en Russie. Comme ça, coupe quitter nga quitter sans pour autant ce club mën la top juridiquement parce que le club mo top rek quitter ko non. Il y a des échéances. Par exemple, ce contrat wara jé 2024 bo nexé quitter. Ça doit avoir une conséquence sur ce contrat, sur la situation contractuelle. Parce que la situation ukrainienne, c'est la guerre entre la Russie qui a envahi l'Ukraine. Donc, l'Olmota, actuellement, c'est compliqué. Moi, je Samba Diallo, surtout la pépite sénégalaise de 19 ans. Moi, surtout, je suis focalisé parce que c'est un grand espoir. Je suis comme le futur Sadio Mané. Comme Flambe avec les U19 du Dynamo de Kiev. Donc, le club, il faut que l'on soit tout. C'est le bon moment pour nous faire le bon choix, recruter Samba Diallo. Au moins aussi, agent ami, mon ayant quel est le meilleur club pour continuer sa progression dans les championnats européens. Donc Samba Diallo, il peut quitter donc, le Dynamo de Kiev et aller dans un club qui va lui permettre aussi de continuer sa progression. Parce que lui, il est plébiscité comme étant un futur international sénégalais. Donc ça, c'est très clair. Il y a un autre joueur aussi donc, qui s'appelle Pape Ousmane Sarr. Donc Pape Ousmane Sarr, c'est un jeune joueur. Hein? C'est un joueur qui évolue à Simba SC, il évoluait, Folletier, Tanzanie. Donc il était là en bout de petite côte. Donc c'est un très bon joueur, d'amener aussi Tengue FC. C'est un très bon joueur qui peut vraiment dépanner sur les ailes parce que Ismaël Assar, il sera bientôt de retour. Mais on a besoin de joueurs de côté. Voilà, on a besoin de joueurs de côté. Donc pour l'instant, Sénégal, donc joueurs de côté, il descend. Descend beaucoup. Donc Boulaye Diagne, il dépanne. Le Boulaye, c'est pas un joueur de côté. Ismaël Assar, maintenant, blessé, il va être de retour de blessure. Donc, il faut que nous encore ramener Dinoko Mouna. Donc, vraiment, concurrencer Boubaha. Donc, Pape Ousmane Sarr, il est né en 1986 hein, donc, au Sénégal, le 21 décembre. Donc, il a 25 ans, il a joué avec l'équipe nationale locale. Donc, cette saison, il joue avec le Simba SC. Donc, actuellement, il a marqué en Ligue des Champions. Hein. En Ligue des Champions, il a marqué le 13 février, Simba. Moron Dalé avec Assek Mimosa, il a marqué. Ensuite, il a joué tous les matchs hein, donc, du Simba en Ligue des Champions. Donc, c'est pour dire que c'est un joueur donc, qui peut dépanner sur le côté. C'est un joueur virevoltant qui vient du championnat local et qui peut vraiment donc, aider le Sénégal dans ses tâches offensives. Parce que c'est un joueur virevoltant qui n'a pas peur de porter la balle et il est très très technique. Je l'ai suivi dans le championnat sénégalais. Vraiment, c'est un très bon joueur. Avec Tengue FC, donc, il avait réussi un très bon début de championnat. Parce que le 13 juillet, donc 13 juin, il réalise un doublé hein, face à l'AS Douane. Le 10 juillet, il marque face au Stade de Mbour. Le 3 avril, Espérance de Tunis, il donne une passe. Donc c'est un très bon joueur
ba nga xamantene gars yi gis nañ ni war naa mën a donc suppléer Alissi war na ko mën a woo sur le côté droit de l'attaque des Lions du Sénégal. Parce que on a Bamba Dieng d'abord, mais Bamba Dieng je pense que c'est un neuf, neuf la boo xam ne qui a un profil différent des autres. Parce que Famary Diouf et Boulaye sont des neuf qui jouent dos au but. Alors que Bamba Dieng, il est face au but et il demande la profondeur. Donc c'est un joueur qui peut donc vraiment donc suppléer Ismaël Sarr sur le côté droit. Pape Ousmane Sarr qui évolue au Simba. Et c'est moi de faire un match de bar et on le suit donc dans les compétitions africaines. Donc maintenant, avec Zorbo, on va en donc nous suppléer Ismaël Sarr sur le côté droit. Parce qu'on doit mettre les joueurs à leur poste. Boulaye du joueur de côté, à lui Cissé. Buna Amara c'est El Tactico, gagné à Cannes, mais Diassé est ignoré. Boulaye Dia, il n'y a pas de concurrence au poste de numéro 9. Point. Il faut mettre des joueurs de côté à leur place. Donc Mamba Batiam blessé, Sini Dieng blessé. Donc la liste des forfaits s'allonge donc, avant la publication. Alissi Diop n'a pas liste le 18 mars. Donc, à chaque fois, une semaine avant, il n'a pas le vendredi 18 mars, vendredi bi ñeu bu stop, Alissi Diop va donner sa liste des 25 joueurs pour la double confrontation face au pharaon d'Égypte. Donc Gaye Ndiaye warul tit warul ragal Mondial Sport le leader de l'équipe au Sénégal mou len proposer des blousons de très haute qualité. Blousons yagni ni vert noir rafet du Sénégal, c'est à 20 000 francs. Maillot ñu nga fo lepp lu ngeen bëgg ci équipement mën ngeen dem Mondial Sport leader de l'équipe au Sénégal 77 666 0395 77 059 99 84. Bu ngeen bëggé séran télé 8000 chaînes à 39500 l'année, n'hésitez pas, contactez donc le 77 535 97 102 avec Sartec IPTV Mega.